Salut tout le monde, salut Caddy, j'espère que t'es en forme. Donc première question, dis-nous quelle est ta chanteuse préférée. Assez facile. Et chante-nous un petit extrait s'il te plaît. Salut tout le monde, salut Alice, je vais bien, merci, j'espère que toi aussi ça va bien. Alors pour répondre à ta première question, ma chanteuse préférée, bah, c'est Beyoncé, base, tout le monde le sait. Et bah ok, vas-y, hein, je vais te chanter un truc, mais ça sera a cappella. Et j'ai pas trop la foi échauffée là par contre, donc je vais faire de mon mieux. Ok. Brown skin girl, your skin just like pearl, the best thing in the world, never change for anybody else. Singing brown skin girl, your skin just like pearl, the best thing in the world, never change for anybody else. Singing. Peux-tu nous faire partager ton meilleur moment dans le football? Alors, le meilleur moment que j'ai pu avoir dans le foot, alors j'en ai plusieurs, mais je vais te dire le premier. C'était lors de la finale de la Coupe du Monde U17 en Azerbaïdjan. On a remporté cette finale et c'était vraiment quelque chose de magique, de nouvelles émotions que j'avais jamais vécues auparavant. Donc, ça reste vraiment un moment grave et à tout jamais. Et aussi parce qu'on a eu le privilège d'assister à un concert de Shakira qui était venue spécialement pour l'occasion et sur le terrain nous danser son petit Waka Waka. Alors c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, donc ça reste vraiment un des meilleurs moments que j'ai pu vivre. Caddy, si tu devais passer la journée avec une célébrité, tu choisirais qui et pourquoi? Sans compter Beyoncé bien sûr. Je choisirais de passer la journée avec Omar Sy parce que j'aime beaucoup l'acteur qu'il est et il est surtout drôle. À choisir, tu préfères marquer un but d'une grosse frappe du pied gauche ou d'une tête plongeante? Alors je choisirais de marquer un but grosse frappe pied gauche, tout simplement parce que j'ai pas mis beaucoup de pied gauche, alors c'est ce que je choisirais. Dernière question pour toi Caddy, le match de ce week-end, tu le sens comment? Alors on a bien préparé le match, on est déterminés et concentrés sur nos objectifs. Allez Paris!